Mais c'est pas pour ça qu'on dit que toutes les chaînes YouTube sont nulles ou que toutes les BD sont nulles. Au contraire. En tout cas, je retiens une chose, c'est que vous dites YouTube. Ouais. Vous dites pas YouTube. Non. D'accord, vous avez, non, vous avez le droit, c'est chacun. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Merci à vous d'être là. Je rappelle qu'on est à 2 mètres de distance, qu'on a enlevé les masques juste avant le début de l'interview. Vous êtes ministre de l'Agriculture, je viens de Normandie. Exactement, de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et vous très important. Vous avez raison de le préciser, on va en parler, et de l'alimentation. Pas de salon cette année, pas de salon de l'agriculture. Non. Pour un ministre, ça doit être compliqué quand même. Bah c'est d'abord hyper triste pour les Français. Vous savez, ce beau salon d'agriculture, on dit que c'est la plus grande ferme de France qui se réunit chaque année. C'est un moment de fête, c'est des centaines de milliers de personnes qui viennent. Et donc c'est très triste pour les Français, c'est très triste pour les agriculteurs. C'est évidemment un moment où on peut mettre en avant ce qu'est l'agriculture française et tous ses atouts. Et malheureusement, du fait de la Covid, on ne pourra pas le faire. Mais on va organiser plein d'autres choses pour mettre en avant justement cette grande ferme France pendant la période et tout au long de l'année. C'est 1000 exposants au salon de l'agriculture, c'est 4000 animaux. Première question, je viens de Normandie, quel stand va le plus vous manquer ? Ah, c'est très dur. Et puis, si je ne voudrais pas donner une préférence à l'un ou à l'autre, mais surtout, c'est une ambiance. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, le salon de l'agriculture. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une formation agricole, je suis ingénieur agronome, et donc j'ai eu l'occasion de découvrir ce salon d'agriculture, y compris en allant y travailler le jour, mais aussi la nuit, où il s'y passe pas mal de choses la nuit au salon d'agriculture. Moi, je l'ai couvert en tant que journaliste, je peux que confirmer. Vous croyez que les Français, ils aiment leurs agriculteurs ? Je pense qu'ils les aiment, je pense qu'ils savent ce qu'ils leur doivent. Vous savez, là, en ce moment, on s'en rend peut-être pas forcément compte, c'est une sorte de force de l'évidence. Mais enfin, on n'a jamais manqué de rien pendant les différents confinements. Mmh. Il y a toujours eu les fruits, les légumes, la viande, le lait sur les étals de nos supermarchés. Et je crois qu'au fond d'eux, les Français savent que, bah oui, il y a derrière tous ces produits des femmes et des hommes. Mais en même temps, il y a certainement un lien à renouer, ou en tout cas à être plus fort entre les Français et les agriculteurs, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées par les Français. Il faut y apporter des réponses, et puis je pense qu'il faut que tout le monde se comprenne mieux. On utilise beaucoup ce mot « essentiel ». Est-ce que les agriculteurs, ce sont des gens essentiels dans notre société ? Bah, clairement, mais comment vous faites ? Vous savez, moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Il n'y a pas de nation forte, il n'y a pas de pays fort, il n'y a pas de civilisation forte sans une agriculture forte. Ça n'existe pas. Regardez par le passé, ça n'existe pas. Et même là, la crise de la Covid, on voit bien, il y a des pays où des aliments ont manqué. Ça existe. Ouais. Je veux dire, en France, on ne s'est même pas posé la question parce qu'on a cette force de l'agriculture. Donc oui, nos agriculteurs, ils sont essentiels. Je dirais même, c'est une question de souveraineté. Pour mettre en avant cette agriculture forte, vous avez lancé une plateforme frais et local, c'est ça, .fr. Exactement. Et en quoi ça consiste ? On peut aller voir ces créateurs. Moi, ce que je voulais faire, c'était dire, on donne la possibilité aux Français d'avoir toujours accès à ces produits frais, ces produits locaux, en leur disant, mais autour de chez vous, il y a des producteurs, des éleveurs, des agriculteurs qui ouvrent leurs portes et vous pouvez directement aller acheter chez eux. Vous référencez un peu tous ces agriculteurs, ouais, tous ces exploitants. Exactement, c'est une plateforme, donc frais-local.fr, c'est une carte géolocalisée, ouais. Vous entrez votre adresse et puis vous vous rendez compte qu'autour de chez vous, il y a la possibilité d'aller chez un exploitant. Et surtout en plus, il y a un truc qui est génial derrière tout ça, c'est que non seulement ça vous donne accès à ces produits frais, vous savez où c'est, et en plus de ça, quand vous allez dans une ferme, faire ce qu'on se disait en début d'interview, il y a aussi un moment d'échange avec l'agriculteur. Et donc, on arrive à mieux se comprendre, on arrive à se dire, mais en fait, comment se passe l'agriculture ? Vous êtes, vous l'avez dit vous-même au début aussi, ministre de l'Alimentation. Exactement. Ça veut dire quoi être ministre de l'Alimentation ? Ben, ça veut dire justement, à la fin, en fait, il y a deux façons de prendre la chose. Soit vous dites, on produit, et puis à la fin, vous dites, quelle sera la conséquence sur les consommateurs ? Soit vous dites, en fait, on part du consommateur. Ouais. Et qu'est-ce que les consommateurs ont dans leur assiette ? D'accord. Et l'alimentation, c'est ça. C'est de s'assurer qu'ils ont accès aux aliments de l'agriculture. Bon. Ils sont protégés aussi contre d'autres types d'aliments, d'importation. Il y a un truc très intéressant qui se passe en ce moment, c'est avec le Brexit. Ouais. On voit que les Britanniques, ben, parfois, ils manquent de choses. Et puis surtout, maintenant, ils vont importer des produits qui parfois ne sont pas autorisés en Europe. Mmh. Et on l'oublie trop souvent, mais l'Europe est un formidable espace de protection des consommateurs. Et donc ça, c'est des aliments qui arrivent et qui sont des aliments qui
qui on vérifie qu'ils ne contiennent pas de résidus qu'on ne veut pas manger, de perturbateurs qu'on ne veut pas donner à nos enfants. C'est votre rôle, c'est de vérifier, de faire attention sanitairement. C'est totalement mon rôle aussi. Et donc, l'alimentation, c'est donner accès, le meilleur des produits, protéger. Et au final, accompagner pour faire en sorte qu'on soit souverain, c'est-à-dire qu'on ait la capacité, nous-mêmes, dans notre pays, à produire ce dont on a besoin. Et ça, c'est essentiel. Vous êtes ministre de l'Alimentation, alors je vais faire un raccourci. Vous m'excuserez, je sais que ce n'est pas de votre faute directement, mais je suis obligé de vous poser la question. Quand vous voyez les images de brut, de ces étudiants qui sont en file d'attente, on n'a jamais vu ça, très longue, et qui attendent pour manger dans notre pays à cause de la crise de la Covid. Est-ce qu'en tant que ministre de l'Alimentation, vous ne pouvez pas faire quelque chose? Si, on aide, mais le gouvernement... Enfin, déjà, les images sont terribles, et deux, la réalité qui est face à nous, elle est terrible, parce qu'en fait, on voit bien que d'une crise sanitaire, on a ensuite une crise sociale, particulièrement pour les étudiants. Ouais. Deux, si, on agit beaucoup, on organise justement, on aide les associations, les lieux de distribution pour accompagner les étudiants. Vous avez vu, le président de la République a annoncé également les repas à 1 euro, midi et soir, dans les CROUS. Donc tout ça, on le fait. Il faut continuer à le faire, parce que c'est vrai que c'est insoutenable, ces images. Ça rentre dans vos prérogatives en tant que ministre de l'Alimentation, d'aider ces étudiants, directement ou indirectement? En partie, en fait, moi, ce qui rentre dans mes prérogatives, c'est d'aider des associations d'aide alimentaire. Et ça, oui, on le fait. Puis vous savez, avant d'être ministre de l'Agriculture, moi, j'étais 3 ans ministre de la Ville et du Logement, et je faisais beaucoup, beaucoup de politiques sociales pour justement accompagner toutes celles et ceux qui, au plus proche du terrain, donnent un coup de main à ceux qui vont mal. Vous êtes ministre depuis 2017, donc on vit une période un peu exceptionnelle. Tout le monde le dit, tout le monde le voit. Je suppose que dans la politique, c'est un peu pareil. Le Conseil des ministres, ça se passe comment en ce moment? Vous êtes tous masqués tout le temps? Ça dépend des sujets qui sont à l'ordre du jour. Si vraiment vous avez besoin d'être physiquement à l'Élysée, et là vous êtes masqué avec du gel tous les mètres sur la table, etc. Ouais. Et vous gardez le masque tout au long du Conseil. Soit sinon, vous n'avez pas de sujet qui nécessite d'être là physiquement. D'accord. Et là, on est en visio, avec des systèmes de visio sécurisés. Et qui fait que vous assistez, vous pouvez prendre la parole, mais on limite ce faisant le nombre de personnes physiquement présentes autour de la table. Je suis en Normandie, j'ai une question, je vous demande de me répondre sincèrement. Quel est le ministre le plus sympa? C'est dur, votre truc. Je sais. J'avoue que j'ai un fait pour Roselyne Bachelot. D'accord, ministre de la Culture. Je trouve assez épatante, et puis je dois avouer que j'aime beaucoup son sens de l'humour. D'accord. Non, elle est, je la connaissais pas du tout avant, et je passe de... C'est des périodes difficiles et donc on a besoin de beaucoup de fraternité, de solidarité. Le monde de la culture aujourd'hui est un monde qui souffre terriblement. Elle fait tout ce qu'elle peut, c'est difficile, mais c'est bien aussi d'avoir ces moments d'échange. Bon, je dis ça, ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres. J'espère que votre deuxième question n'est pas l'inverse, je supporte le moins. Mais ce serait quand même très vache. Non, c'est pas le cas. Je viens de Normandie, on l'a dit, vous êtes ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je voulais qu'un YouTuber soit avec nous en direct de sa ferme. On va l'appeler, il s'appelle Étienne, il s'appelle l'Agri-YouTuber, beurre comme le beurre. Étienne, agriculteur, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe. Étienne, d'abord, comment ça va? Mais ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Vous voyez, les vaches sont derrière, je viens de leur donner à manger. Mais il fait un peu frais ce matin, ils avancent plus froid en fin de semaine, mais pour l'instant, tout va bien. Bon, très bien. Étienne, merci d'être avec nous, parce que je trouvais ça intéressant que vous veniez débattre avec le ministre Julien de Normandie, qui a accepté de débattre avec vous sur plusieurs sujets. Alors, je vous laisse commencer. D'accord, ok. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Enchanté de pouvoir discuter avec vous. Moi, j'avais alors 2-3 questions, notamment la première, c'est par rapport à l'actualité du moment, notamment sur le glyphosate, sur les néonicotinoïdes, sur les OGM. C'est toutes ces choses-là qui font que on a l'impression qu'on prend du retard en France. L'agriculture française prend du retard parce qu'on veut interdire des choses, on les remet en place, on veut les interdire. Quel est votre avis sur ces sujets-là? Qui fait qu'on a l'impression que l'agriculture française, voilà, elle prend du retard par rapport aux autres agricultures mondiales. Deux choses. Moi, d'abord, je crois beaucoup dans la souveraineté, c'est ce que je disais. Les néonicotinoïdes, alors c'est un mot hyper complexe, mais en fait, c'était de dire on avait interdit en 2016 une substance dans notre pays qui faisait qu'aujourd'hui, les betteraves, celles qui nous servent à faire du sucre ou du gel, d'ailleurs, beaucoup de gel, ces betteraves, on était en train de tuer notre filière. Et c'était quoi la conséquence de ça? C'était qu'au motif de l'environnement, on tuait une filière, mais en même moment, on importait de tous les autres pays qui ont des pratiques bien pires que les nôtres. Mmh. Et donc, la chose devient
aberrante, illogique. Et donc, moi, j'ai pris la décision de réintroduire la possibilité. Alors, ça m'a valu beaucoup de critiques de la part de certaines organisations environnementales, mais en leur disant, moi, la transition agroécologique, j'y crois profondément. Mais profondément. Mais je crois à des transitions agroécologiques qui se font dans notre pays. Si à la fin, l'agroécologie, c'est dire on arrête de produire dans notre pays et on importe des trucs souvent dégueulasses, ça n'a aucun sens. Mm-hmm. Voilà. Il y a un truc qui manque beaucoup, en fait, dans l'agriculture, mais de manière générale, dans le débat politique, c'est la science et la raison. Et ça, c'est dingue. Moi, je dis, et c'est hyper important à mes yeux, vous savez, la politique, c'est jamais l'émotion. Et pourtant, vous êtes bien placé pour le savoir, dans tous les réseaux sociaux, etc., vous mettez une pression sur les politiques qui fait que, certaines fois, on agit sous le sceau de l'émotion. Il ne faut jamais. Ce n'est pas ça, la bonne politique. La politique, c'est quoi ? La bonne politique, c'est de remettre de la raison et de la science dans tout ça. Et dans l'agriculture, on a trop souvent abandonné la science et la raison. Et donc, moi, j'essaye d'en remettre dedans. Le glyphosate, c'est un bon exemple. Ouais. Alors moi, je suis très heureux de vous entendre dire ça. Comment est-ce que d'un côté, on peut autoriser ou très peu pénaliser des gens qui vont détruire des essais de culture en plein champ, qui vont faire malheureusement reculer la science et la recherche française qui pourrait être à la pointe sur des sujets, alors OGM ou d'autres sujets, d'autres de recherche sur les semences, toutes ces choses-là, des personnes qui vont détruire sous le coup de l'idéologie des cultures en plein champ ou des essais dans des laboratoires, ils sont pas inquiétés sur ces sujets-là. Comment ça, c'est possible aujourd'hui en France ? Ouais, parce que vous avez le temps de la justice et puis après le temps du débat. Ce que vous dites, enfin ce que dit Étienne pour les non-initiés, en fait aujourd'hui dans notre pays, on a un débat sur comment on fait pour développer des nouvelles semences qui nous permettent par exemple d'être plus résistantes à l'eau, plus résistantes au changement climatique, plus résistantes à un certain nombre d'attaques d'insectes et autres. Et c'est vachement compliqué. Et notamment, vous avez une Française qui a eu un prix Nobel récemment et qui propose ces nouvelles technologies. Mais vous avez certains qui disent « Ah, ces nouvelles technologies, ça veut dire qu'il y a une intervention humaine sur la plante. Et donc, c'est forcément immonde et il faut forcément balayer d'un revers de la main. » Étienne, on va passer au sujet d'après parce qu'après, on va perdre un peu de temps, c'est dommage. Sur le bien-être animal, vous voulez parler du bien-être animal et des intrusions. Il y a la loi qui est passée. De voter sur le bien-être animal, ou qui vient d'être passée. Il y en a une surtout qui m'intéresse beaucoup, parce que moi j'ai été victime d'intrusion dans mon élevage et de dégradation de taxes sur les murs dans mon élevage. Il y a une mission parlementaire qui a été mise en place, si entrave à l'exercice d'activités légales. Quand est-ce que ça va venir ? Est-ce que vous avez un calendrier ? Quelle est votre position par rapport à ce sujet-là qui est très grave ? Alors, qu'il y ait des personnes qui pensent pas comme vous ou pas comme moi, c'est un droit, c'est la démocratie. Et que ces personnes se regroupent en association, c'est un droit et c'est la démocratie. Deux, que des personnes, quelles qu'elles soient, sauf quand elles sont dépositaires d'un droit venant de l'État, rentrent chez un particulier ou un professionnel, ça, c'est intolérable. On n'a pas le droit, je veux dire, tous ceux qui m'expliquent, mais si, ils ont bien fait. Non, dans un pays, dans une démocratie, on n'a pas le droit de rentrer chez quelqu'un. Et les contrôles, il faut qu'ils soient faits, et les contrôles, ils doivent être faits par l'État. Et d'ailleurs, moi, je fais beaucoup de contrôles, mais des dizaines de milliers par an. Et à chaque fois qu'il y a un cas qui est anormal, ma main ne tremble jamais pour pénaliser ce cas, pour ne jamais jeter l'opprobre sur les autres. Bon. Et le troisième élément, vous savez, le bien-être animal, le problème, c'est ce que je disais sur l'émotion des réseaux sociaux. On a tous en tête ces quelques vidéos qui circulent. Mais regardez les vaches d'Étienne derrière Étienne. Un, je suis sûr qu'Étienne, il peut vous donner du début jusqu'à la fin le nom de chacune de ces vaches. Deux, elles n'ont pas l'air malheureuses. Et trois, je pense que Étienne, il a véritablement un sentiment qui les lie à ces vaches, qui est réel, qui est sincère. Je vais vous le dire très clairement. Cette fameuse association, c'est L214 dont parle Étienne. L214, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une pub dans le métro récemment. Vous aviez quelqu'un avec un masque en disant « on traite le problème, mais pas les causes du problème, deux points, tout ceci est lié à la déforestation, virgule, et à l'élevage intensif ». La déforestation, ils ont raison. La déforestation, toutes les études montrent que la déforestation est source de création de ces maladies. Et l'élevage intensif, le problème, c'est de quoi on parle. Et c'est ça, moi, que je reproche à ces gens. De quoi on parle ? Un élevage intensif, il faut voir ce que c'est en Chine. En Chine, vous avez des immeubles de 13 étages, vous avez des cochons étage par étage. Ben là, vous avez effectivement un énorme cluster potentiel. En France, la taille moyenne d'un élevage de cochons, c'est 180 cochons. Ça n'a rien à voir. Est-ce que derrière Étienne, c'est un élevage intensif ? Non. Le problème du débat, c'est qu'il y en a qui
qui font une agglomération de tout. Donc on parle d'élevage intensif, mais les Français, ils se retournent ensuite vers les éleveurs, ils disent mais c'est de votre faute, Étienne, c'est de votre faute tout ce qu'on est en train de vivre. C'est délirant. Par contre, à faire ça, au fur et à mesure, on détruit nos élevages, au fur et à mesure, on n'arrive plus à trouver d'autres personnes qui, avec la même passion d'Étienne, reviennent sur les élevages, et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on va finir par ne faire que importer de la viande, du lait, d'élevage, pour le coup, vraiment intensif, venant de l'international, comme je l'évoquais tout à l'heure sur cet immeuble de 13 étages. Et là, il y a un énorme danger. Donc nous, Étienne, on a aussi un combat à mener, c'est de dire, c'est quoi l'élevage français? L'élevage français, ce n'est pas de l'élevage intensif comme vous en avez en Chine, aux États-Unis ou d'autres. L'élevage français, c'est un élevage de territoire. C'est hyper dangereux parce qu'on se rend compte aujourd'hui que voilà, il y a la loi sur le bien-être animal. Et bah, vous l'avez dit derrière moi, mes vaches ne sont pas malheureuses, j'en prends soin tous les jours parce que c'est aussi, ça fait partie aussi de mon revenu. Donc meilleur sur la santé de mes animaux, meilleur sur mes conditions de travail. Donc j'ai tout intérêt à avoir des animaux dans des bonnes conditions de vie, dans des bonnes conditions de santé. La question, si je me pose, c'est que ces associations qui ont beaucoup d'impact et qui ont beaucoup d'aura auprès des politiques, hein, on a vu un élu de la République entrer illégalement dans une porcherie l'année dernière avec une association, elles ont beaucoup d'aura et elles influencent énormément la société aujourd'hui. Je suis pour la liberté d'expression, le débat d'idées, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Le problème, c'est qu'elles influencent énormément l'opinion publique et on arrive aujourd'hui avec une loi sur le bien-être animal et j'ai peur qu'on arrive dans quelques années avec une loi... Sur l'élevage, sur la chasse. Mais Étienne, vous avez raison. Mais vous avez raison. Mais pour faire face à ça, le sujet n'est pas d'interdire stricto sensu ce dont. Mais le débat, c'est de dire soyons-nous offensifs sur ce dans quoi on croit. Soyons-nous offensifs quand on montre à quoi ressemble l'élevage de Étienne, youtubeur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qu'il faut toujours comparer, c'est. Un, on a besoin d'élevage pour vivre. Je veux dire, ceux qui vous avez vu ce qui se passe en ce moment? Le débat sur de la viande cellulaire. C'est un truc de dingue. Aujourd'hui, il y a un débat en disant, on va créer en laboratoire, en prenant des cellules souches, on crée en laboratoire un steak sans vache, des nuggets sans poulet et un gigot sans agneau. C'est ça la société qu'on veut? De se dire que, en fait, c'est, on fait confiance à qui? À Étienne? On fait confiance à des labos qui vont être trois multinationales, qui vont sur leur paillasse créer de toutes pièces, à partir de cellules souches, les steaks qu'on donnera à nos gamins? Mais moi, ce que je crois, c'est dans la vie, il faut avoir des repères. Ben, un steak, ça vient d'une vache, ça vient pas d'une paillasse d'un laboratoire. Et je dis ça alors que moi, franchement, je suis un énorme défenseur de l'innovation. Je crois, on disait tout à l'heure, moi, je crois énormément dans l'innovation. Mais dans la vie, il y a des repères. Bon, eh ben, ces repères et ce dans quoi on croit, Étienne, je pense que surtout, il faut que l'agriculture soit beaucoup plus offensive en montrant c'est quoi l'agriculture française. Étienne, justement, je suis désolé, on est hyper en retard. Est-ce que vous invitez le ministre à visiter votre exploitation pour voir ce que c'est un élevage? Évidemment, il est le bienvenu sur la ferme pour visiter l'exploitation. Je l'invite avec plaisir pour faire l'exploitation. Merci, Étienne. Allez-y, Étienne. Très rapide, ouais. Qui va lui prendre quelques secondes à répondre. Qu'est-ce qui a le plus d'influence aujourd'hui auprès du gouvernement? Est-ce que c'est le ministère de la Transition écologique ou c'est le ministère de l'Agriculture? Et moi, j'essaie d'élaborer ma propre pensée, d'élaborer une pensée pour ce ministère et d'aller jusqu'au bout des choses. Et je crois que sur les néonicotinoïdes, j'ai montré que j'arrivais à le faire. On est d'accord. Merci beaucoup, Étienne. Merci à vous, Étienne. Et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt, au revoir. Merci. C'est intéressant. Enfin, tout est intéressant, mais là, pour le coup, c'est intéressant. Est-ce que la première partie était chiant? Non, justement, tout est intéressant. Non, mais c'est bien d'avoir un peu d'animation. Merci, Étienne, vous nous avez sauvé le avant d'accueillir un invité que je voulais absolument présenter, on va faire le que oui, que non. Vous connaissez le que oui, que non? J'imagine, il faut que je réponde que par oui ou que par non. Exactement, si possible, avec le que juste devant. Tu es en Normandie, c'est vrai que vous avez voulu monter une start-up sur l'éducation avec Emmanuel Macron? C'est vrai. Et on était en 2014. Avant qu'il ne rentre au gouvernement, je l'avais connu d'avant et on avait un projet de monter une start-up sur faciliter l'accès à l'éducation par Internet pour les jeunes, notamment au collège, avec lui et puis une troisième personne qui s'appelle Ismaël Emelian. D'accord, bah je vous conseille d'aller voir l'Antisèche, c'est un copain qui fait ça, Cyrus, où justement il facilite les cours pour les plus jeunes. Voilà, c'était exactement ça. Bah, je vous montrerai. Que oui, que non, est-ce que vous croyez qu'on aura vraiment vacciné tout le monde avant l'été? En tout cas, moi, je me fie à ce que nous dit Olivier Véran, et je pense qu'il faut vraiment
pareil, dans ces débats très compliqués, suivre ce que dit le ministère de la Santé et son ministre. Que oui, que non. Est-ce que vous êtes de Normandie? Ouais. Vous êtes de Normandie? Ouais. Pour de vrai? Pour de vrai. Vous êtes de Normandie, parce que tout le monde, vous faites bon, vous faire la blague. Ouais, ouais, ma famille vient de là, d'Argentan, en Basse-Normandie. Que oui, que non. Est-ce que vous serez candidat en 2022? Est-ce que moi, je serai candidat en 2022? Non, je crois que je peux vous répondre sereinement que non. C'est un stress, les questions d'actualité pour un ministre ou pas? Au début, ouais. C'est objectivement, au début, oui, parce que vous ne savez pas du tout... Il faut voir, hein, vous êtes dans une arène et la télé ne le montre pas très bien. Ouais. Parce que vous n'avez que le son de la personne qui parle dans le micro et vous n'avez pas tout le son qui est autour. Et vous rentrez, c'est vraiment une arène. Il y a 567 députés. Ouais. Et puis ça hurle dans tous les sens. Et au début, on stresse. Ouais, mais allez-y, vous verrez. C'est-à-dire que vous savez pas, vous rentrez dans cette arène et vous avez un mot de travers, une erreur que vous faites ou quoi que ce soit. À ce moment-là, ça hurle. Et puis au fur et à mesure, vous comprenez les codes. Et puis même, vous rentrez dans la dynamique. C'est-à-dire que vous prenez un coup, vous rendez un coup. Ouais. Vous arrivez à faire passer vos messages nécessaires. Et au final, c'est un moment qui est hyper important pour la démocratie. Parce que c'est quand même, dans un pays, dans une démocratie, toutes les semaines, ceux qui nous représentent au quotidien, les députés ou les sénateurs, ont la possibilité d'interpeller le gouvernement sur quelconque question. C'est comme ça et je pense que le débat mérite, enfin la démocratie mérite que ce débat soit toujours digne. C'est pas tout le temps le cas, c'est dommage. On va en parler des questions d'actu avec ce livre, Palais Bourbon. On va recevoir dans quelques secondes son dessinateur, auteur Coco Pello. Je sais pas si vous l'avez lu. Non, je l'ai pas lu. Mais vous m'aviez dit que vous alliez me l'offrir. Alors je vous ai dit ça, moi. Ouais. D'accord. On va en parler, on l'accueille tout de suite. Coco Pello, vous nous avez rejoint. Vous êtes auteur et dessinateur de bandes dessinées, notamment de celle-ci, Palais Bourbon, édité chez Dargo Seuil. Elle est formidable, cette bande dessinée. Je la conseille vraiment à tous ceux qui nous regardent. Franchement, j'ai adoré. Quand on aime la politique, on ne peut qu'aimer ce livre. J'ai plein de questions, on ne va pas tous les poser. Mais je suis content qu'il y ait un ministre qui soit avec nous, parce qu'on parlait des questions d'actualité et on en parle. On parle des couloirs, des coulisses du Palais Bourbon, de l'Assemblée nationale. D'abord, comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre? Pourquoi vous avez voulu écrire une BD là-dessus? Alors déjà, moi, cette histoire, elle commence en 2017, où je me suis infiltré dans les 5 principales équipes de campagne pour faire une petite bande dessinée qui est parue dans les colonnes du Huffington Post. Mmh. Alors en fait, je me suis passé pour un militant lambda de la France Insoumise au Front National, dans des arrondissements parisiens différents, pour essayer de comprendre ce qu'était la politique de l'intérieur et comprendre aussi de la France Insoumise au Front National comment on faisait campagne. Les militants politiques ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient et du coup, j'ai essayé d'aller voir vraiment ce qu'ils faisaient. Et ensuite arrivent les législatives. Un Français sur deux ne va pas voter. Je me suis aperçu que les gens s'en foutaient un petit peu du rôle du député, qu'on avait l'impression qu'ils n'étaient jamais dans l'hémicycle. Et du coup, j'ai voulu vérifier par moi-même ce qui se passait sur le terrain, directement dans la vie de nos députés. J'ai cherché à obtenir un badge pour pouvoir circuler librement à l'Assemblée. Ouais. Et puis ensuite, j'ai suivi des députés de droite comme de gauche pour essayer de comprendre ce qu'ils faisaient vraiment en dehors de l'hémicycle. Voilà. C'est formidable, franchement. Alors moi, j'ai une question. J'en ai plein, mais j'en ai une qui m'a interpellé. Il y a des députés que vous tutoyez. Oui. Il y en a d'autres que vous voyez. Oui. Pourquoi? Pourquoi pas tutoyer tout le monde ou vous voyez tout le monde? Ça dépendait du moment. Il y a certains qui m'ont dit directement « tutoie-moi, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème ». Et puis d'autres qui me disaient « non, ils me vouvoyaient ». Et puis du coup, moi, je rentrais dans leur jeu, je vous voyais aussi. Voilà. Il y a quelque chose qu'on voit dans votre livre, c'est quand même qu'on vit une période exceptionnelle. Enfin, cette mandature est exceptionnelle. Vous avez eu vraiment de la matière pour écrire. Il se passe toujours quelque chose en ce moment. Oui, je suis tombé sur les bonnes années, en tout cas, parce que c'est vrai que j'arrive à l'Assemblée, je viens d'avoir mon badge. Peu de temps après, il y a l'affaire Benalla qui éclate. Donc ça m'a permis d'expliquer ce qu'était notamment qu'une commission d'enquête et le contrôle, justement, de l'action du gouvernement. C'est qu'on comprend comment ça marche. Et ensuite, il s'est passé tous les gilets jaunes. Donc j'ai accompagné à la fois des députés en marche. Vous avez réussi à avoir un badge Benalla et vous. Voilà, c'est ça. J'avais les mêmes accès que Benalla. Mais moi, je l'ai eu un petit peu avant. C'est vrai qu'après l'affaire Benalla, est-ce qu'on m'aurait donné ce badge-là? Peut-être pas. Peut-être qu'on aurait fait un peu plus attention. En tout cas, moi, j'étais totalement libre de pouvoir écrire et dessiner ce que je voulais dans les couloirs du palais. Voilà. D'accord. C'est intéressant ce livre du jeune Normandie parce que j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on peut intéresser les jeunes à la politique. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, c'est essentiel de s'intéresser à la politique. C'est essentiel parce que, de toute manière, si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéresse à vous, par définition. Et donc, si vous ne vous intéressez pas à la politique, ça veut dire juste que vous laissez d'autres
décider pour vous. Donc c'est hyper important de s'intéresser à la politique. Les BD, les réseaux sociaux, des émissions, etc. C'est hyper important de pouvoir en faire des vecteurs aussi pour parler politique. Ça ne veut pas dire pour aller y mettre uniquement des idées qu'on veut pousser, etc. Non, juste pour parler politique, pour faire le débat politique, et pour éviter que ces débats politiques soit sont inexistants, soit tombent dans d'autres travers. Quand vous voyez aujourd'hui le summum de fake news ou des mouvances complotistes, en vrai, pour notre pays, comme partout dans le monde, c'est incroyablement flippant. Quand vous voyez la place que ça prend et la croyance que cela a, ben comment vous luttez contre ça? En réintroduisant la politique dans ces cercles de débat. Et ce que vous faites avec une telle BD y concourt. J'espère que vous la lirez, je crois que vous l'avez amenée pour... Oui, bien sûr, avec une dédicace spéciale à Monsieur de Normandie. Une dernière question pour l'un et l'autre. Vous montrez quand même que voilà, y a une nouvelle génération de députés qui arrivent à l'Assemblée nationale, qui ne sont pas forcément toujours au courant des codes, justement du travail parlementaire, de comment ça se passe. Ils vous ont tout raconté, vraiment ? Oui, ils m'ont tout raconté. Je n'ai pas eu de censure, en tout cas, de leur part. C'est vrai que j'ai eu... ce qui était bien, c'était que c'était une assemblée rajeunie. Donc au début, quand j'ai lancé ce projet, on arrive, bonjour, je suis jeune dessinateur. Les vieux députés vous disent, bon, qu'est-ce que c'est que la bande dessinée ? On le met un peu de côté, je ne suis pas trop pour. Et les jeunes députés, donc notamment les trois députés au début, Clémentine Autain, Elsa Faucillon et Thomas Meynier, qui se sont dit, ah si, le vecteur bande dessinée est aussi très important. Il y a un peu de sérieux à faire aussi en bande dessinée. On peut expliquer tout notre travail là-dessus. Allons-y, on parle là-dessus. Et du coup, c'est comme ça que tout a pu commencer. Et c'est grâce à ces jeunes députés que la bande dessinée est là aujourd'hui aussi. Souvent, c'est vrai que c'est très bien d'expliciter aussi ce qu'on fait, comment on est, la façon qu'on a... On dit toujours les politiques qui font de la langue de bois. Je n'ai pas l'impression de vous avoir fait de la langue de bois. Non. C'est ce que je veux dire. Non. Ils sont là simplement pour... Mais il y en a qui en font. C'est comme partout. Enfin, c'est comme partout. Vous avez des gens sur YouTube qui sont chiants à mourir à écouter. Vous en avez d'autres qui sont super. Vous avez des BD où l'auteur, il est naze et d'autres qui sont excellentes. Ouais. Ah, voilà. C'est comme partout. Bon. Mais ce n'est pas pour ça qu'on dit que toutes les chaînes YouTube sont nulles ou que toutes les BD sont nulles, au contraire. En tout cas, je retiens une chose, c'est que vous dites YouTube. Ouais. Vous ne dites pas YouTube. Non. D'accord, ça, vous avez le droit, c'est chacun. Non, mais j'ai des mots comme ça où je dis agenda et je dis pas agenda. Voilà, c'est pour me démarquer. Merci beaucoup, Coco Pelé, d'être venu nous voir sur le plateau. Et je vous la conseille vraiment, il faudrait qu'on la fasse lire dans les écoles, cette BD, sincèrement. Avec parce plaisir. Que ça réconcilie. Monsieur le ministre, Merci. Je viens de Normandie, vous êtes ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, d'être venu nous voir ce matin, et je vous en remercie. Voilà, bon courage pour les semaines qui viennent, pour les mois qui viennent. Il va y avoir un salon de l'agriculture un peu dématérialisé pendant toute l'année qui arrive. Mais exactement, et si je peux en profiter pour passer un point là-dessus, c'est... On parlait au début de l'émission de cette plateforme frais local. Ouais. Ça donne la possibilité d'aller voir les agriculteurs, les éleveurs. Bah, c'est vrai que dans cette période où il n'y a pas de salon, où il y a des restrictions, etc., le fait d'aller chez les agriculteurs, chez les éleveurs, pour aller y acheter leurs produits et en même temps avoir ce moment d'échange, c'est aussi un moyen de se rapprocher de cette belle ferme française sans pour autant avoir la possibilité d'aller au salon. Donc si chacun peut aller sur frailocal.fr, se rendre compte que parfois, tout proche de chez soi, il y a des belles fermes, c'est super. Et puis ils en font une vidéo, ils les mettent sur votre chaîne YouTube. Avec plaisir, merci à vous d'être venu nous voir. Merci à vous. On espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, mettez-le dans vos commentaires, cliquez sur le pouce en l'air là. Et puis comme dirait Jean de Normandie, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, c'est le plus important. Allez, à plus tard.